Mister Corbeau et Mister Renard. Bienvenue à la Staraka des morts. Si t'es là, c'est que t'es mort. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, la montre à ses messieurs. On dans les yeux le bleu qui manque à l'œil des coins. Monsieur du Dégustin. C'est l'effervescence actuellement dans les bureaux de l'Office municipal de la culture. Toute l'équipe s'apprête à accueillir Enrico Macias pour le premier spectacle rentrant dans le cadre de la programmation à l'espace culturel. Coup de projecteur dans cette actu de cette saison 2005-2006. Dimanche démarre la sixième saison de l'Office municipal de la culture à Romba. Je vous invite tout de suite à venir découvrir les différents rendez-vous que nous vous proposerons pour cette nouvelle année. Ce sont 7 rendez-vous que nous vous avons tout d'abord concoctés pour cette saison. Nous aurons le plaisir de faire plus ample connaissance avec donc Enrico Macias qui démarrera la saison ce dimanche, Noan Is Innocent, Ernesto Tito Puentes, Didier Gustin qui viendra faire son spectacle vendredi 18 novembre. Et pour la deuxième partie de saison, nous accueillerons Liane Folly, l'Orchestre National de Lorraine et Idir. L'Office municipal de la culture vous invitera tout au long de cette année à découvrir d'autres spectacles en marge de ceux que je viens de vous proposer. À noter d'ores et déjà un spectacle Viva Italia qui sera proposé le jeudi 20 octobre à 20h30. Variété française ou internationale, salsa, rock, humour ou musique classique, le public n'aura que l'embarras du choix. Retour sur les deux premiers spectacles de cette saison avec Enrico Macias et les No One Is Innocent. Les avis sont unanimes, Enrico Macias continue à brûler les planches. Et c'est sur cette scène de l'espace culturel de Romba que le dimanche 9 octobre à 16h, nous pourrons apprécier tout son talent et sa générosité. En exclusivité pour Romba, il interprétera donc ses nouveaux morceaux, ses nouvelles chansons tout aussi festives que les précédentes. No time loose, we gotta realize. Just a land of freedom, people with a chance. Le rock n'a pas été oublié dans cette programmation, puisque No One Is Innocent, groupe phare de la scène française rock des années 90, sera de retour à l'espace culturel de Romba le vendredi 14 octobre dès 20h30. À découvrir en première partie de soirée, le groupe régional Masnada, fort de 2 albums à son actif, qui a su se faire remarquer notamment lors des tournées aux côtés de Wacha et de Lofofora. Si la vocation première de l'espace culturel est de vous proposer des spectacles et des concerts, l'une de ses particularités, c'est sa polyvalence. Ainsi, d'autres manifestations seront programmées comme des thés dansants, des conférences ou des expositions. Enfants et adultes devraient y trouver leur compte, alors que les artistes bénéficient d'une salle et d'un espace permettant de se produire dans d'excellentes conditions. La construction d'une salle de danse accolée à l'espace devrait renforcer encore plus l'offre culturelle. Ce lieu ouvrira courant 2006. Il nous permettra d'aborder la danse au travers des futurs spectacles proposés dans notre espace. Bonjour, je voudrais
un billet pour le spectacle de Didier Gustin. Oui, bien sûr. Autre nouveauté cette année à l'espace culturel, la billetterie. Selon les spectacles, les places seront numérotées, d'où l'importance de réserver le plus tôt possible pour obtenir les meilleures places. Réservation à l'espace culturel au 03 87 67 86 30, dans les réseaux habituels et sur le site internet romba.com/espace-culturel.